oiseau. C'est promis. Oh, mais c'est promis, ma minouche. Je t'en prends mon café, je suis chez toi dans une demi-heure. Comme la tour Eiffel, mon vieux. Aussi jeune qu'elle, c'est pas peu dire. Eh ben. Le sucre, c'est la santé, mon garçon. Et je sais de quoi je parle. J'en fais, moi, du sucre. Ah non, pas de sucre. Oh, écoute, Honoré, je t'assure, tu dois faire un effort. Ça fait mauvaise impression. Quoi, qu'est-ce qui fait mauvaise impression? Eh bien, de voir que monsieur Lachaille Barfleur, le grand sucrier, refuse sa marchandise. Enfin, c'est pas commercial. Tu sais bien que je suis diabétique. Oui, mais ben, y a pas de quoi se vanter. C'est pas une réclame pour notre maison. Pourquoi au contraire, c'est une publicité gratuite. Oh. Je suis une sorte d'homme sandwich. Oh. Tu en veux? Oh. Vous ne serez jamais sérieux, mon pauvre Honoré. Mais je l'espère bien. Je ne voudrais pas donner de mauvais exemple à votre fils, ma chère Estelle. N'est-ce pas, Gaston? Oh, oh, regardez la gueule qu'il fait, votre garçon. Gaston, mon coco. Hein? Tu as encore perdu un parent? Non, non. J'ai acheté une automobile. Automobile, mais rien de vous, un bel atlas. Encore un bolide. Ah, ça, ma mère, vous l'avez dit, on parle de 60 à l'heure en palais. Mon Dieu, quel calvaire que la vie d'une mère. Seulement, ça m'a entraîné à dépasser légèrement mes prévisions de mois. Ah oui, ça va chercher dans les 10 billets. Ça t'apprendra à avoir des prévisions, à ton âme. Drôle de personne. Ça veut être encore une de ces créatures. Une cocotte. Eh bien, cette cocotte-là, c'est choisir le bon grain et délaisser livrer. Bientôt, une honnête femme ne pourra plus mettre les pieds dans un endroit public. Nous irons les déshabiller à domicile. Du regard seulement, du regard. Vous êtes un vieux noceur, Honoré. Rien ne vous choque. Si, figurez-vous la morale. La morale me choque, surtout après un bon repas. Et le vieux noceur vous salue. Tu viens, Gaston? Volontiers, mon nom. Je te vois à dîner. Oh, ça me paraît peu probable. Tu régleras mon café? Oui. Le sucre paiera? Oui. Je le dédaigne, mais il me nourrit tout de même. Il n'a pas de rancune. Au revoir, ma mère. Au revoir, garçon. Tenez, mon ami. Voilà. Allez attendrir vos fins connaisseurs. La dame, surtout. C'est une passionnée. Veux-tu que je te dise, mon garçon, tes parents m'embêtent? Eh ben, moi aussi. Oui, mais comme mes relations avec eux sont plus anciennes que les tiennes, ils m'embêtent depuis plus longtemps que toi.
Yes. La belle Otero. La belle Otero. Oh, quel décolleté, hein. Qu'est-ce qu'on fait, nonon? Ben, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai retrouvé ma petite amie, charmante, délicieuse, 19 ans dans 8 jours. Vous pouvez être jeune. Ben, jeune, elle, oui, elle va avoir 19 ans. Par contre, toi, t'as l'air vieux. Hein? C'est vrai, tu fais vieux. Piétin, là. Hein? Je m'ennuie. C'est de ton âge. Eliane. Eh ben, elle va bien. Ah oui? J'ai rendez-vous avec elle à 6 heures au Palais de Glace. En attendant, j'ai envie d'aller dire bonjour à Madame Alvarez. Ah, brave mamita. Je devrais bien en faire autant, moi. Vous avez été très bien ensemble autrefois, non? Elle le dit, ça m'a laissé aucun souvenir, je te l'avoue. Entrez. Bonjour, mamita. Oh, Gaston, quelle bonne surprise. Entrez, entrez. Et la santé. Et vous? Bonjour, Gaston. Tenez, asseyez-vous. Voilà votre fauteuil. Oh, mon Dieu, cette homme de votre jaquette est donc belle. C'est vraiment très elle, pure, mon cher Gaston. Ce petit quadrillé, si distingué au possible. Ah, vous habillez bien. Un peu comme Honoré. En plus sérieux. Oh, vous voulez arriver? Non, 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 merci. Bon. Oh. Mamita, vous ne me feriez pas une tasse de camomille? Oh, mon petit Gaston, plutôt deux culs. Gigi n'est pas là? Petit ami, toujours aussi jeune? Ma sœur est toujours la même. Très fermée, très en dessous. Mais, je dois dire que pour ses 67 ans, elle est extraordinaire. Quand je pense que c'est en 59 qu'elle partait avec le Khedive, elle revient, bon, 8 jours après, elle fascine un raja, et ainsi de suite. Un roi d'Espagne, des ministres, des merveilleuses. Vous n'avez pas peur de son influence sur Gigi? Oh, pas du tout. Elle n'est gentille qu'avec elle. Elle la trouve en retard, comme de juste. Mais elle fait son éducation. La semaine dernière, elle lui a appris à manger le homard à l'américaine d'une façon impeccable. Pourquoi faire? Ah. Elle dit que c'est extrêmement utile. Elle dit que dans une bonne éducation, il y a trois pierres d'achoppement. Le homard à l'américaine, l'œuf à la coque et les asperges. Elle dit que le manque d'élégance en mangeant a brouillé bien des ménages. Ah, ça s'est vu, ça s'est vu. Alors aujourd'hui, elle lui apprend quoi? Et ça? Qu'est-ce que c'est, Gigi? Ça, c'est... C'est un diamant navette. On dit un brillant navette. Oui. Et ça? Ah, ça qui est jaune. C'est un topaze. Ah! Un topaze. D'abord, on dit une topaze. Oh, mais une topaze parmi les bijoux. Mais pourquoi pas une aigmarine ou un péridot? C'est un brillant jonquille, petite dinde. Et tu n'en verras pas souvent comme ça. Et ça? Oh, oh, ça c'est une émeraude. Oh, c'est beau. Qui te l'a donné, tante? Un roi. Un grand roi? Non, un petit. Les grands rois ne donnent pas de très belles pierres. Hein? Pourquoi? Oh, si tu veux mon opinion, c'est parce qu'il n'aime pas ça. Les petits non plus, d'ailleurs. Ah, ben alors, qu'est-ce qui les donne, les très belles pierres? Qui? Les timides ou les orgueilleux. Les mufles aussi. Oui, parce qu'ils croient qu'en donnant un bijou monstre, ils font preuve d'une bonne éducation. Ne porte surtout jamais de bijoux de second ordre. Attends que viennent ceux de premier ordre. Eh bien, s'ils ne viennent pas. Ils viendront. Tiens. Récapitulons. Il y a le brillant blanc, jonquille, bleuté ou rose. Le rubis quand on est sûr de lui. Le saphir quand il est de Cachemire. L'émeraude
quand elle n'a pas dans son eau Dieu sait quoi, d'un peu trop clair ou d'un peu jaunasse, et la perle fine. Quoi? Jamais je me rappellerai de tout ça. Ben, il faudra bien. Viens près de moi, Gigi. Jolie mâchoire, ma fille. Avec des dents pareilles, j'aurais mangé Paris et l'étranger. Oh, il faut dire que j'en ai mangé un bon morceau. Mais qu'est-ce que t'as, là? Qu'est-ce que t'as près du nez, là, un bouton? Oh non, c'est un point noir que je me suis pincé. Mais tu n'as ni à voir, ni à pincer un point noir. Je te donnerai de mon eau astringente. Et puis, il faut manger d'autres charcuteries que du jambon cuit. Tu ne peux pas de poudre? Oh non, grand-mère me le défend. Ben, j'espère bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Là, tu peux plaire. Ah, t'as un petit nez impossible, une bouche sans style, les pommettes un peu mougiques. Oh, bon temps. Non, mais tu peux très bien t'arranger avec le reste, là. Les dents, les cils, les cheveux, là. Ah, tu n'es pas complètement idiote, bien entendu. Hmm. Ah, ton corps. Oui, projet. Enfin, joli projet. Bien attaché. Ne mange pas trop d'amandes. Ça alourdit les seins. Ah, et puis, fais-moi penser à t'apprendre à choisir les cigares. Mais tante, je ne fume pas le cigare. Je ne fais jamais rien sans raison. Si je m'occupe de toi, il faut que je m'occupe de tout. Quand une femme connaît les préférences d'un homme, cigare compris, quand un homme sait ce qui plaît à une femme, ils sont bien armés l'un contre l'autre. Et ils se battent. Comment ils se battent? Ah, ma pauvre petite. C'est pas toi qui as inventé la glace à trois faces. Allez, file vite. Tu verras déjeuner jeudi, nous travaillerons. Oui. Oh, mais attends, mais doucement, ne me décoiffe pas, voyons. Ah, tu sais, je te regarde partir. Et gare à toi si tu marches en grenadier ou si tu traînes les pieds. Chez toi. C'est quand même pas ça qui vous a rendu si triste. Vous avez des embêtements? Même pas. Ça, c'est dommage. J'aurais été là, on aurait fait un piquet montre et je vous aurais battu. Tu triches tout le temps, alors? Oh, ça, je triche pas. C'est vous qui êtes un mauvais joueur. Ne te fâche pas, ma petite fille. D'abord, je ne suis pas votre petite fille. Viens avec moi. Où ça, là-dedans? Moi, ça m'amuse pas, je sais pas potiner. Je te paie un barbotage. Un quoi? Un barbotage. Fie-toi à moi, c'est très bon. Allez, viens. Jamais, tonton. Grand-mère et tante Alicia disent que sortir, ça empêche de penser au sérieux de la fille. Un barbotage pour mademoiselle et mon champagne glacé. Le voilà, monsieur Gassant. Il est là, hein? Je pense qu'il est là, je l'ai vu arriver. Celui-là, pour l'exactitude, il est abattable.